What was Mustafa Kemal's role in making Turkey the world's first secular Muslim republic? Mustafa Kemal was born in Salonika in 1881. His family, which had a modest income, gave their son an exclusively military education from the age of seven onwards. The Ottoman Empire was ailing at that time. Subject to the greed of the major powers and threatened by demands for autonomy by the empire's different nationalities. Attending modern and patriotic military academies, Kemal developed a sense that he had a mission to put an end to corruption and decadence in the Ottoman Empire. Mustafa Kemal, avec ses camarades, lisait en cachette des poésies patriotiques, il faisait circuler des textes qui étaient interdits. Et il y avait donc tout un courant souterrain, si vous voulez, d'opposition au régime d'Abdulhamid, donc à l'autoritarisme du système. Il contestait le pouvoir autoritaire du sultan, le fait qu'il n'y ait pas de liberté d'expression, le fait qu'il y ait des envois en exil, qu'il y ait une censure qui se soit abattue sur l'Empire. Et donc on peut dire que la plupart des écoles, et notamment l'école de guerre, étaient des foyers de libéralisme et de patriotisme.